Explosion de couleurs dans les 3500 m² de serre d'Agnès à Sande, signe que le printemps est bel et bien installé, mais le travail, lui, a commencé bien avant. Depuis janvier, Agnès et son équipe sont aux petits soins pour leurs plantes. La culture, il faut la suivre de jour en jour, semer, piquer, tutorer, arroser, vérifier qu'il n'y ait pas de maladie. Un travail de longue haleine. Pour le moment, on tuteur les géraniums, c'est-à-dire ce sont des géraniums lierres, qu'on a planté au mois de janvier-février dans les pots. Donc là, ils commencent à bien pousser. Et comme c'est un géranium hier, on leur met des tuteurs pour pouvoir mettre un élastique. Parce que si on les laisse pousser tout seuls, ils vont s'en mêler, on n'arrivera pas à les vendre. C'est vrai que les gens, quand ils rentrent maintenant, ils nous disent « le boulot, il va commencer ». Pour nous, ce n'est pas ça. Le boulot, il a commencé au mois de janvier. Tous les jours du rempotage, du repiquage, de la mise en place, de l'arrosage. Une fois que toutes les plantes sont mises comme ça, dans toutes les serres, elles sont prêtes à être vendues. C'est un boulot aussi, mais c'est un autre boulot. Les espèces sont tellement nombreuses qu'elles ne les comptent même plus. Il y en a pour tous les goûts, mais le coup de cœur d'Agnès, ce sont les géraniums. C'est quand même le géranium d'Alsace. C'est le géranium ici, voilà. Toutes les couleurs, différentes couleurs. Dans le temps, il n'existait que du rouge, du mauve, Alors que là, on a toutes les sortes de couleurs. Le géranium, c'est quand même encore la plante la plus rustique. Il y a beaucoup d'autres variétés, beaucoup de choses. Les gens veulent changer, veulent mettre autre chose. Mais ils reviennent quand même sur le géranium, parce que le géranium, quand il n'a pas d'eau pendant 2-3 jours, ça ne fait rien du tout. Alors qu'un surfinia, quand il fait très chaud, vous l'oubliez un jour, c'est cuit. Les fleurs fraîches de Sande arrivent 2 à 3 fois par semaine dans la boutique d'Ilsenheim pour le plus grand bonheur de Sandrine. Elle laisse place à son imagination selon les arrivages. Si chaque saison a son charme, au printemps, les compos ont leurs propres caractéristiques. C'est beaucoup plus lumineux. Hein. Déjà, on a peut-être un peu plus de soleil, peut-être pas actuellement, mais c'est vrai que du coup, ça donne plus envie. On est plus dans l'orange, dans le jaune, ces teintes-là. Tandis que le fin d'année, les fêtes, on est plus dans le brillant, dans le clair. Voilà, ça sera plus le blanc, le rouge. Là, on sera plus dans l'oranger, le jaune, des couleurs assez flashy. Bah, le printemps, c'est vraiment toutes les fleurs et plantes à bulbe. Donc tout ce qui est tulipe, jacinthe, jonquille, toutes ces fleurs-là. Après, plus de choix par rapport à ces variétés de fleurs. Le reste, on a quand même un choix assez large tout au long de l'année. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans les cartons, donc du coup, quand on ouvre, on est là, on se dit « Ah, qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui ?» Donc oui, effectivement. Puis après, le fait de préparer la fleur, de la mettre en valeur dans les bacs, de faire des bouquets, ça c'est un plaisir après, effectivement. Puis après, quand on voit les fleurs, c'est là où on se dit, je vais faire ça, ça, ça avec les fleurs. On voit déjà plus loin, en fait. Dans nos cartons, qu'est-ce qu'on trouve? Les premiers tournesols. Ça commence tout doucement. Après, les fleurs un peu plus classiques, le gerbera, le lys, les arômes qui sont là aussi. Voilà, c'est un peu les fleurs qui sont là maintenant, quoi. Le printemps a aussi un effet sur la clientèle. Avec les beaux jours, ils se laissent plus facilement tenter par des compositions qui mettent plus de soleil encore à leur intérieur. Le soleil incite, ouais, tout à fait. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Hein. Même les gens, ils ont envie d'un petit bouquet de fleurs à la maison. C'est bon pour le moral. Coloré jusqu'à cet été, la saison se calmera en juillet avant de reprendre en août avec les pensées et l'arrivée de l'automne et ses chrysanthèmes et myosotis. Mais pour l'heure, Agnès et Sandrine savourent ces jours printaniers.